pieces of rain. Sun is up, colors in my brain. Bonjour à vous, chers supporters du 15 de France, qui êtes venus si nombreux aujourd'hui pour soutenir l'équipe. Nous sommes parfaitement conscients que le défi qui se présente dans les prochaines semaines face à nous est immense, mais aussi fantastique. Alors, tout simplement, nous allons essayer pour nos familles, pour nos proches, mais aussi pour tous les supporters du rugby français, de vous offrir la plus belle des compétitions, la plus belle des Coupes du Monde. Merci à vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire qui nous rapproche encore plus de l'échéance de vendredi prochain. Et c'est surtout l'énergie que peuvent transmettre le public et les supporters de l'équipe de France qui peuvent donner aussi de l'énergie à l'équipe et le sourire. On est parfaitement conscient de l'attente, de l'enjeu autour du 15 de France. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on va en fait pouvoir utiliser toute cette énergie venant du public, des supporters du 15 de France pour je l'espère, la transposer sur le terrain et repousser nos limites. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est un sport collectif, c'est un travail d'équipe et on compte bien sur le public français pour nous aider dans cet immense défi. Et il est tout jeune, il a gagné sa place pendant la prépa, il vient de Bordeaux, Louis Bielviaré. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur de voir l'accueil que le public nous a réservé. Donc ça évidemment que ça marque vraiment le début de cette Coupe du Monde. Quand on voit tout le monde qui est venu aujourd'hui, ça montre qu'on est beaucoup suivi, qu'il y a un bel engouement derrière nous. Donc évidemment que ça met un peu de pression, mais c'est de la pression positive. C'est évidemment beaucoup de fierté, voilà, pouvoir représenter mon pays à une Coupe du Monde, surtout en France, c'est vraiment une immense fierté, un immense bonheur. Oui. Je réalise pas totalement encore, je pense, mais évidemment je vois de... Ça se rapproche de plus en plus vite et, ouais, et je pense qu'il va falloir vite réaliser, sinon on va être un peu surpris. Ouais. Il est de La Rochelle, il a gagné sa place dans ce 15 de France. Paul Boudin. Franchement, beaucoup de fierté. C'est comme je l'ai dit, j'en parlais avec mes parents. C'est vrai que c'est un honneur qui est énorme. Donc, moi, il y a quelques mois, j'en espérais pas tant. Donc, c'est. Comment dire. Ça représente un peu un sentiment de. On va dire de joie et voilà, maintenant qu'on y est, il faut se donner à fond, il faut profiter. On ne sait pas si on aura la chance d'en vivre d'autres, donc il faut profiter à fond. Je pense qu'on ne se rend pas compte là, parce qu'on est vraiment dans notre bulle, on est entre nous, mais je pense qu'on a une chance qui est énorme, déjà de la vivre, et en France, ça n'a pas de prix.